Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre incroyable aventure sur Horizon de Forbidden West, toujours accompagné de l'incroyable Aloy. Évidemment, un casque ou des écouteurs. Mettez s'il vous plaît en 4K 60 FPS sur le plus bel écran que vous ayez. Et on est parti pour la suite de notre incroyable aventure. J'ai tellement hâte de continuer. Allez, souvenez-vous, on avait pris cette chaîne, en fait, qui est une sorte de plateforme, voilà, on peut appeler ça comme ça, qui nous a emmenés au bas-fond. On est dans l'ouest prohibé, à l'entrée. On ne peut pas passer parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de problèmes bien trop loin, mais vous inquiétez pas qu'on va toujours trouver des petits moyens très sympas, évidemment, de faire notre chemin pour aller à la grande réunion. Alors, ici, on a quelque chose. On va lire tout cela. Je vous laisse lire comme d'habitude. Mettez pause, n'hésitez pas. Là, j'avoue, il y a tellement de choses à lire dans Horizon que ça me paraît un peu compliqué. Sachez que moi, à titre personnel, et c'est pas fake, quand je fais le rendu de la vidéo, vu que je regarde image par image, ainsi que ma voix, que tout va bien, je lis en même temps tout ce que j'ai pu louper. Et donc, c'est un peu comme si je suivais ma propre aventure après y avoir joué, parce que, encore une fois, la vue de spectateur et de joueur est totalement différente. Matez comme c'est toujours aussi magnifique, c'est incroyable, vraiment. On a quelque chose ici pour descendre, très bien, une prise. On a quoi? On a le feu de camp, donc c'est là où on doit faire une petite pause, je pense. Hop, on va récupérer cette petite cache avant cela. Eh ben écoutez, sauvegarde manuelle, ça me paraît pas mal. On va sauvegarder pour une fois manuellement. Et puis sauvegarde rapide aussi, voilà, c'est jamais trop. On est sur PlayStation 5, de toute façon, tout va extrêmement vite. Alors, on a quelque chose en haut, mais je dois me diriger à 260 pas, tandis que là-haut, on est plus à du 500 pas. On va essayer de faire ça de manière tout affronter maintenant. Intelligente, évidemment, et construite. On va se faire le maximum. Quel jeu. Non mais c'est waouh. Waouh. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La qualité. Je suis à chaque fois fucking choqué, vraiment. On va marquer l'autre. Voilà. Je suis mort. Ok. Et moi aussi je peux t'analyser mon pote, hein. La machine est vulnérable au feu. Ok. Allez, ça dégage. On ira les fouiller quand je me serai occupé des trois. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ok, waouh! Comment j'ai eu chaud! C'était très 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 tendu. Allez, on va tout fouiller, on va tout ramasser. Aucun problème. On s'est fait trois monstres assez facilement. Mais n'oubliez pas que nous sommes en difficile et que je fais le malin, mais je risque de me casser les chicots très bientôt. Ça, vous me connaissez à ce niveau-là. Il y a des phases qu'on va faire et refaire bien plus d'une fois. Ok, on continue. C'est à 200 pas à peu près, soit 200 mètres, ça dépend. Mais là, avec les petites jambes d'Aloy, un petit peu moins, si tu vois ce que je veux dire. Oh là 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 là. Oh, regardez, on a quelque chose de nouveau là-haut. Quelle est cette plante verte? C'est bleu, c'est que c'est assez rare. C'est un loot assez rare, ça on prend. Quoi ? Sur moi. Je l'envoie dans ma réserve. Oh le pauvre. Bah c'est vrai que je dis ça en même temps de lui casser la gueule, mais de la viande sauvage, ça peut être très intéressant. J'avais oublié qu'il y avait des animaux classiques. Qu'est-ce que c'est ? Un éclat de lune verte. Je prends. Sougoï. Ça a l'air assez rare. À mon avis, à l'avenir, on va pouvoir crafter du lourd. Ok,
qu'est-ce qu'on a là? Vous avez trouvé un morceau de lune verte. Une ressource aussi rare que précieuse, cachée à travers le monde entier. La lune verte peut être utilisée pour améliorer certaines armes et tenues. Elle peut également être échangée chez certains marchands. Très bien ça, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? Skorok, tiens donc. Ok, j'ai pas compris pour l'instant l'utilité de ceci. On verra un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Wouah, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, aucun souci. Désolé, hein, désolé les sangliers. J'ai rien contre vous. Même si vous me bouffez quand même pas mal de flèches. Hop, on va se refaire. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, on s'en fait aussi, on peut se faire plaisir. C'est une fronde, c'est pour la fronde, donc aucun souci là-dessus. Hop, on prend. On prend. On prend. Et on prend. Et on va repartir sur l'arc. Ok, on continue. Allez à Skorok. Ah d'accord, c'était juste un panneau. Un panneau d'affichage. Machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être que Ren s'en est occupé. Le sol est gorgé d'acide. Ce doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Ok. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Très bien. On va pouvoir crafter des choses un petit peu plus intéressantes. À savoir que... il me semble que j'avais gagné un niveau. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Cagnard, d'accord. C'est pour annoncer... D'accord, et donc mon focus fait une traduction des signes, très très bien. Ok, ah, on a la carte du monde, waouh, waouh, waouh. Putain, c'est gigantesque, du mal à m'en rendre compte pour l'instant. Là, on a fait quoi? On a été là, on a été là et on a pop de là. Ouais, 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 ouais. Je vous cache pas que je suis pas inquiet. Ça risque d'être incroyable tout ce qui va se passer. Alors, j'ai un point de compétence, d'accord? Je m'étais mis en survivant. Chef des machines. Est-ce qu'on peut pas se remettre un petit truc sympa ici des familles? Ça pourrait être cool en vrai. Ceci est un sursaut de bravoure. En apprenant les trois compétences associées, il sera automatiquement débloqué. Équipez un sursaut de bravoure pour l'utiliser. D'accord. Et ça fera quoi le sursaut? Les sursauts de bravoure sont de puissantes capacités qui nécessitent une certaine charge de bravoure. D'accord. Ah oui, c'est une sorte d'ulti, ok. Ok, ok, j'en avais effectivement entendu parler. Résister davantage aux dégâts lorsque la santé est critique. La santé est récupérée automatiquement et plus vite lorsqu'elle est critique. Ok. Eh ben en vrai, moins 40% de dégâts en moins, c'est pas mal du tout. On va prendre ça. On aura le temps d'augmenter de toute façon avec le temps. On va essayer de débloquer le premier et après on ira du côté des trappeurs, chasseurs, guerriers, infiltrés et chefs des machines. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse? Oui, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Comment ça va? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. La forge! Petra? Aloy! Qu'est-ce que tu fais ici? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez! Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. À nos terres, ça nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. Wound. T'en as entendu parler? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, et ensuite, je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu, si tu dois partir,
J'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Cette Gwund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Bon, découvert feu de camp, d'accord. Donc un petit village un peu primaire, un peu flingax, hein, vous l'aurez compris. Une établie, let's go, on va améliorer ça. Amélioration d'armes, amélioration de tenues, fabrication de pièges, amélioration de sacs et équipement spécial. Très bien ça. Et il me reste 3 équipements spéciaux à débloquer. Eh ben écoutez, on va améliorer l'arc en vrai. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Améliorer. Donc, oh, ça broken les shields plus rapidement. D'accord. Allez, c'est parti. Hop, amélioration 1, c'est fait. En vrai, ça, je peux le faire. Amélioration 2, c'est fait. Et l'amélioration 3, malheureusement, par contre, je peux pas le faire. Mais je peux créer une tâche. Bon, on verra plus tard. Hein. On va pas forcer. On va pas pousser mamie dans les orties, comme disait l'autre. Très bien, bonne chose de faite. On a quelques quêtes. Un type de munition inflige des dégâts d'acide est désormais disponible dans vos inventaires. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis et savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Si vous atteignez vos ennemis à l'acide, cela remplira leur jauge d'altération corrosion. Une fois cette altération activée, la résistance aux dégâts de leur blindage diminue. Tirez sur les bonbonnes d'acide avec des flèches. Ah, très bien ça. Très très bien. Alors, on a des quêtes un peu partout en vrai. Donc, on va essayer de toutes les prendre. Il veut rien me dire, le ref. Là, on a une établie. Là, on a quoi là? Voici votre réserve. Vous la retrouverez dans chaque camp ainsi que divers endroits du jeu. Lorsque vous récupérez plus d'objets que vous ne pouvez emporter, les objets entre autres sont envoyés dans votre réserve. Vous pouvez les y récupérer un par un ou réapprovisionner toutes vos ressources maintenant. Ok. Merci, monsieur. D'accord. D'accord. Une canne de rivage de la baie. Très bien. Bon, on va laisser. Hein. Pour l'instant, je n'en vois point l'utilité. Malheureusement. Alors, où est les... Où sont les quêtes? On va prendre toutes les quêtes, les gars. Ça se fait assez rapidement, en vrai. On va essayer de tout récupérer. J'aimerais faire beaucoup de quêtes pour vraiment qu'on soit... Je veux que dans ce let's play, les amis, on soit plongé dans le lore du jeu. Voilà, qu'on soit investi, que vraiment on fasse les choses comme il faut et comme il se doit. C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvun continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine? Au nord-est de Skorok. Au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter dès le premier effondrement. Mais Ulvund a dû le menacer de réduire notre paye. Ou pire... Tu veux bien ralentir et me raconter tout ça? Tu as parlé d'une blessure lors d'un effondrement. Ouais, il y a 2 jours. C'est là que je me suis blessé à la jambe. Corvend et les autres ouvraient une nouvelle veine pendant que je travaillais sur une autre. Dès l'explosion dans leur tunnel, le mien s'est effondré. J'aurais peut-être pu esquiver si j'avais dormi plus d'une étincelle. On nous en demande bien trop et trop vite. Et tu as peur que Corvend et les autres aient moins de chance si jamais ça se reproduit. T'as tapé en plein sur l'enclume. Je peux aller voir tes collègues si je passe par là. Ce serait sympa. Merci. Allez, une quête de prise. On va aider ce jeune mineur. De gros ennuis. Nouvelle quête annexe. Très bien, ça. Allez, on continue. On continue direction une nouvelle quête à 70 mètres. On en a une autre à 72 mètres. On est plutôt pas trop dégueu. Donc on a 2 quêtes à récupérer, puis on va continuer notre quête principale. Évidemment, on fera les quêtes annexes au passage. Là n'est pas le problème. Vous avez compris comment ça marche. Voilà, bonsoir. Eh, hey, Mildu. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je
suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, oh, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvun qui t'envoie ? Non. Oh, je te demande pardon. C'est juste que l'Arbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes plats ? Bien sûr. Les gens d'Ulvund te créent des ennuis ? Oh oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Et je te parle même pas de la remise Ulvund à laquelle ils croient avoir droit. Et si tu refusais ? Je crée des plats, pas des embrouilles. Ok. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais... Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne peux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund, ou c'est l'Arbin. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédient ? Quelques morceaux de gibier et une grosse poignée de tiges de Vernoni. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la Vernoni, si ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors ? C'est donc ça, la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Oh, Aloy, t'es adorable, Bichette. Allez, une nouvelle quête, c'est fait. Et il reste une quête à 40 pas, et après on va pouvoir continuer, évidemment, sans aucun problème. Qu'est-ce que c'est, ça ? Récupérer de la Vernoni. Nouvelle quête, elle est où ? C'est pas vous, mesdames et messieurs, la nouvelle quête ? Non, elle est là, je l'ai vue, à 20 mètres. Hop, petite cascade. Yo ! Qu'est-ce que tu veux, Ulvund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'Hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, les ventreuses d'hélices. Ah, peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier. À ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge ? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un... gratte-papier vêtu d'habits de soie, alors que mes camarades se font rudoyer, intimider et exploiter allègrement. Quelle noblesse. Noblesse ? Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie.
Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau maintenant ? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien aux Karja d'exiger que les braves travailleurs au Séram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». Où est le sifflet ? En plein centre de la ville. Mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des Océram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Nouvelle quête annexe. Vous laisse, magistrat Karja. Les fouisseurs. À la taverne. Bon, écoutez, on va quitter le village. Pourquoi ? Parce que niveau quêtes, on a des petites quêtes annexes. On en a deux, une de niveau 5 et une de niveau 7. Nous avons notre quête principale de niveau 5 et nous avons des activités, trouver Eren, c'est la quête aussi principale de niveau 5 qui s'appelle toujours à la limite. On a des services personnels, une pincée de courage, donc en vrai, je pense qu'on va pouvoir faire les fouisseurs à seulement 50 mètres, ça me paraît pas infaisable. Putain, je suis désolé, le jeu est incroyable. Parlez au magistrat. Allez, direction le magistrat, je suppose qu'il est là-dedans, non ? Je me suis peut-être égaré, en train de siroter une petite binouze. Oui, ça me semblait cohérent pour un magistrat. Oh, attendez. Hop, lisez-moi ça. Allez, mettez pause comme d'habitude, vous connaissez la musique. Et on est parti. Sauveuse, merci de m'accorder du temps. Et navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Ulvut. J'ai connu pire. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les couards, c'est... c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les couards ? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ulvund. Oh bah, avec plaisir. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière ? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ, alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ulvun cessera d'accuser les Karja de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard. Ok. Alors. Direction... la suite de notre aventure. On a une quête ici. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. On a la quête principale à 100 mètres. On a 400... Ouais, bon bah écoutez, on peut retourner sur la quête principale, pas de soucis là-dessus. Les secondaires, on les fera sur la route. On va essayer vraiment de la jouer organisée, d'accord ? Parce qu'en étant désorganisé, on va faire beaucoup trop d'allers-retours un peu inutiles et un peu pour rien. Ce qui serait fort dommage. Nouvelle fosse de combat. Ok. Et je dois y aller là ? Maître de la fosse ? Oh là ! Moi alors, tu sors d'où, sais mieux que personne que le monde est plein de dangers. Et je ne parle pas que des machines. Je suis Odurg. Ceci est ma fosse d'entraînement. C'est le meilleur endroit pour t'entraîner au combat rapproché dans l'Ouest prohibé. Dis, je me demande qui gagnerait le combat. Toi, sauveuse de Méridian, championne de l'Est, ou l'implacable maîtresse de l'Ouest ? Qui ? L'implacable, une guerrière Ténac légendaire, la maîtresse des maîtres. J'ai entendu dire que les Ténac ont des fosses d'entraînement comme celle-ci. C'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables. Et seuls les meilleurs combattants des fosses peuvent s'entraîner avec l'implacable. Donc pour trouver l'implacable, je cherche les fosses d'entraînement si jamais je vais là-bas. Tu devras aller loin pour ça. Les Ténac sont divisés en trois clans. Trois clans, trois capitales, trois fosses d'entraînement.
Je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable. Si les Ténacs ne te tuent pas avant, bien sûr. Mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici. Alors en attendant, je propose aussi des défis pour tester tes compétences. Et je combattrai qui, au juste ? Toi ? Bon, je sais très bien que tu es la sauveuse. Mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier. C'est les règles. On n'utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement. Cette bande d'ivrognes serait capable de s'éventrer, sinon. Tu vas devoir laisser tes affaires à la porte, sauf ta lance et tes flèches d'entraînement. Mais je surveillerai ton équipement, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux t'entraîner ? Peut-être. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Ok. Les phases de combat mettent vos compétences de combat à l'épreuve contre des adversaires humains. Terminez tous les défis contre d'autres combattants pour affronter le maître de la fosse. La fosse vous permet aussi de vous entraîner au combat rapproché grâce à un didacticiel dédié à une session d'entraînement. Et débloquer des enchaînements dans les didacticiels, ok. Pour affronter le maître des fosses et entraînement. Ok. Eh ben écoutez, on va faire ça. Parce que je crois qu'on peut débloquer quelque chose, il me semble. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Oh putain, parce que c'est bien localisé, hein, après les damage. Hein. Les attaques légères sont rapides, mais faciles à parer. Alors apprends à les combiner avec d'autres attaques. Ah, très bien. Ça, c'est fait. Vous avez maîtrisé, terminé tous les défis pour débloquer le défi maître de la fosse. Très, très bien. Attendez, quelles sont les récompenses, les gars? Parce que je vais pas passer non plus toute une vidéo à faire ça, quand même, si. Attaque lourde. Allez, on fait au moins les trois, on verra le reste après. Et c'est vrai que c'est bien, oui, pour se remettre un petit peu en jambes, parce que c'est vrai qu'on a, pour le moment, toujours pas combattu. Attaque lourde brise les parades d'armes, ils font plus de dégâts. Corps à corps. Très bien. Elles sont lentes. Tes adversaires risquent de contre-attaquer. Tellement beau, le jeu. Désolé, hein, je suis toujours choqué. Allez, et attaque puissante. Maintenir R2. Très bien. Ouh, ça existait ça avant? Les attaques puissantes détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts à l'ennemi. Elles sont lentes et t'exposent au danger. Il faut choisir le bon moment. Ok, mais ça existait plus, ça me dit rien ça. Le souffle, eh ben, il faudra attendre pour le reste. Très bien, ça c'est fait. Ça on ne peut rien faire et entraînement. C'est juste un entraînement, durée illimitée, rien de très intéressant. Merci monsieur, on se casse à la quête qui est en dehors, me semble-t-il, du village. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci? Je suis obligé, je peux pas sauter par-dessus. Non, bon bah écoutez, on va se casser par la porte. Hop, on est bon. Et direction l'arrière qui est à 200 pas d'ici. Allez, let's go. Et... Si vous avez une PS5, ayez le jeu, ayez la manette et jouez. Vous verrez à quel point c'est impressionnant, fluide et surtout magnifique en fait, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Très bizarre là ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on a là? On peut pas le fouiller le ref? Attendez. Ouais, j'avais entendu quelque chose. Ok. J'ai des flèches acides, très bon. Les ruines de reliques inconnues. Oh, c'est bien. Des munitions d'acide pourraient m'aider. Ok. Cette zone est recouverte de pièges électriques. Hé hey, ah. Toi, tu ne regretteras pas si tu tues ces pillards. Ça ne s'arrête jamais. Bouge pas. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être les attirer dans les pièges. Ok. Elle est couverte d'acide. Wow.
Impressionnant. Impressionnant, mais choqué de ce que j'ai pris là, les potes. Hein. Vraiment, je vous le dis. Waouh. C'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ok, on va attendre le meilleur moment. Est-ce que vous pensez qu'une attaque silencieuse ferait quelque chose? Je ne sais pas. J'ai besoin de ça. Eh bien. C'est comme je l'ai fait. Viens, Bichette. Eh bien. Oh, mort. Pourquoi tu l'as pas pris? À quoi servent ces pièges, à ton avis? Ok. Non, mais j'ai bien compris, mon ref. Mais t'es mignon, mais t'es con, là. Viens. Wouh! Viens par ici, Bibiche. Eh bien. Wouh! Allez, mort! Pas mort! Pas mort! Voilà! Cette fois, il est mort! Ça part tellement vite, les flèches! Ok. Ça va, mon ref? Qu'est-ce qui se passe? Très, très bien. La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. J'arrive, j'arrive. T'inquiète pas, Bichette. Garde tout ça comme il faut. Garde tout ça comme il faut. Je n'oublie pas. Je viens récupérer ma petite récompense. Il a intérêt à me gâter, celui-là. Conteneur de ressources. Incroyable, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Une batterie de pillard. Incroyable, ça. Bah alors, mon ref. Oh, attends, bouge pas. Bouge pas, le loot avant tout. Ici, on est des crevards. Par contre, vous avez vu, hein. Un coup, je suis low HP. Hein. Et t'as fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminé à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ah, ouais. Je profite le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, il y a plus de place ici. Et moins de risque de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner. Ulvund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose? Comment va ce vieux Karn? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait belle, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs? Non. Comme dit Karn, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée.
Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Les lance-caps vous permettent de placer différents types de pièges. Bon, ça par contre, on connaît bien. Appuyez sur R2 tout en visant pour établir le premier point d'ancrage et viser et tirer à nouveau pour le second. Ok, ok, ok. Et le lance-câble, il est ici. Pas de soucis. Les ennemis qui déclenchent le piège à câble reçoivent une charge électrique ainsi que des dégâts électriques indiqués par une icône au-dessus d'eux. Lorsque l'icône de charge est pleine, les ennemis sont électrifiés pour une durée limitée. Très bien. Un classique jusqu'ici. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.